L'enfant prodige, l'enfant divin est de retour sur Radio J. Judith Mergui, bonjour. Oh, ce que vous m'avez manqué. Hey, franchement, revenir en studio, vous retrouver comme ça, toute pleine d'hypocrisie. Mais là, on voit que vous êtes ressourcée pour cette revue de week-end, du coup, puisque vous avez quand même suivi l'actualité ces derniers temps. Bien entendu, il manquerait plus que ça. Je vous rappelle que j'étais quand même en direct avec vous en duplex quasiment tous les jours depuis Israël. C'est pas le tiers monde. Et bien, on a beaucoup d'informations à vous délivrer ce matin. Et on commence par cette information crise sanitaire, épidémie de Covid-19. Ce dimanche, c'était la fin du couvre-feu. Pour la première fois depuis quasiment 8 mois, les Français pouvaient profiter de leur soirée aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Oui, oh bon, tu sais, les Français, nous, notre truc, c'était surtout l'esprit de contradiction. Hein. Donc nous, si on gueulait, c'était parce qu'on pouvait pas sortir, c'est surtout histoire de gueuler. Là, ça y est, ça va être enfin autorisé. Tu peux être sûr qu'on va tous rester sans sortir à regarder l'Euro tout l'été. Et puis l'obligation générale du port du masque en extérieur est aussi levée depuis le jeudi 17 juin dernier. Eh oui, ça fait même pas 5 jours et déjà 4000 ruptures. Tous les gens qui se sont mis en couple pendant le corona, qui viennent de découvrir la gueule de leur partenaire, non, ils veulent plus là. Et cependant, le port du masque reste obligatoire dans certaines situations. Oui, on conseille de le maintenir dans les transports en commun, mais aussi dans les marchés et brocantes. Hein. Et puis si tu as un problème d'haleine, voilà, là vraiment, n'hésite pas à le garder, ça c'est moi qui rajoute, c'est pas le ministère. Le ministère de la Santé exige maintenant par ailleurs un tracing rétrospectif à la japonaise. Au-delà de l'enquête pour trouver les cas contacts d'un patient infecté, les autorités veulent désormais remonter jusqu'à l'origine de la contamination, savoir comment la personne malade a été infectée. Tracing à la japonaise, mais quel rapport avec la japonaise? Tracing à la mère juive? Voilà, oui, ça, pourquoi tu es malade? Avec qui tu étais? Avec qui tu étais? C'est qui cette fille? Elle habite où? Tu vas l'épouser? Pourquoi? Qu'est-ce qui te manque ici, chez ta mère? Tu veux partir? Tu vas avoir le Covid? Tu vas avoir la Covid si tu pars avec elle? François Asselineau, ancien candidat à l'élection présidentielle, fait une lecture erronée d'une étude scientifique et propage une fake news sur la Covid-19. Un starbouze plus un benet, plus bon, il avait tout ce qu'il fallait pour diriger la France finalement. AstraZeneca annonce que son traitement anti-Covid est inefficace. Oui, alors, si maintenant les mecs sont conscients de faire de la merde, on peut même plus vanner derrière, nous. Et puis, finaliste d'un challenge culinaire interprison lancé par le chef étoilé marseillais Michel Portos, les détenus s'évadent sur le trajet du retour. Voilà, c'est un spin-off remix entre Prison Break et Top Chef. Et puis on en a beaucoup parlé, orage violent ce week-end en France. Oui, c'est vrai, moi là je suis rentrée il y a quelques jours, c'est la France, c'est quand même le seul pays où tu peux porter un poum-poum short en jean avec des bottes de pluie. Ça dérange. Non, l'été en France c'est une ado lunatique à tendance bipolaire. Élections régionales et départementales 2021. Cette année, on enregistre un taux d'abstention historique au premier tour. Ça, je comprends pas. Vraiment. Bon, les Français sont pas allés voter hier, alors qu'il y avait eu des efforts de fait pour les convaincre de croire en la politique. Entre Schiappa qui chantait à tue-tête sur les quais du canal de je sais pas quoi. Les candidats RN aux tweets racistes et antisémites dignes des après-midi des jeunesses hitlériennes. Pulvar qui prône l'interdiction des blancs dans les meetings antiracistes. Vous voulez dire quand même que tout ça n'a pas donné envie aux Français de croire en la politique, comme c'est étrange. Seine-et-Marne, et on revient à la météo, des commissariats de police touchés par les inondations. Oui, et ça, Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas du tout apprécié que les inondations frappent les commissariats. Il accuse Macron d'avoir orchestré tout ça, un complot LREM pour narguer les jeunes des quartiers, les privant d'une de leurs dernières activités favorites, d'attaquer les commissariats. À l'antenne, dans les grosses têtes, ce vendredi 18 juin, Valérie Trierweiler a lâché. Tu prends un petit gros moche, tu te le fais piquer quand même. Aïe! Alors, à votre avis, notre valoche, est-ce qu'elle parle de A, François Hollande, son ex, ou de B, un vieux sac troué? Alors, allez-y, votre réponse, Christophe, vous pensez quoi? A ou B? Réponse A. C'est une petite pique quand même. Oui, elle parle bien de François Hollande, ancien président de la République, quand elle dit le petit vieux moche, gros chauve, tout ça. On sent une vie divorciale apaisée et sereine. On sent les gris quand même. Bon, et hier, c'était la fête des pères, Judith. Oui, et d'ailleurs, alors bon, vous avez tous offert une cravate, tout ça. Mais on sait bien ce que vous vouliez offrir, mais vous aviez un petit peu de tact. Donc, vous n'avez pas offert à votre papa un piston pour une troisième dose Pfizer sous le menton. Vous ne lui avez pas non plus offert, même si vous vouliez vraiment, une prothèse audio. De quoi? Une prothèse audio, papa? De quoi? Anne Hidalgo? Non, qu'est-ce qu'elle a encore fait, cette conne? Écoute, papa, laisse tomber. Et puis alors, le cadeau que vous vouliez vraiment faire, c'était un triathlon.
demi-heure de blague pour qu'il arrête de tout forwarder les âneries de ses groupes Facebook 42 fois par jour. Voilà. Un avion Ryanair décolle en avance sans attendre tous ses passagers. Oui, mais parce qu'en fait, Rouya, le baba, le pilote, en fait, il vient de Transavia, il vient de faire 10 ans sur le Paris Tel Aviv, tu vois, il en peut plus des retards de Corinne Cohen et de sa fille Shana au duty free. Donc là, il a fait un burn-out, il est passé chez Ryanair, autant te dire que là, il a dit les mecs, je décolle à l'heure, je décolle quand je veux. Le calendrier juin 2021 accueille la Gay Pride et l'Euro. Eh oui! Bah des mecs musclés qui transpirent, des foules maquillées, même programme dans les deux compétitions finalement. Hein. Ils auraient dû regrouper, franchement, l'Euro Pride ou l'Euro 2020. Même là, le tacle par l'arrière est autorisé. Oui, oh, ça va! Ah écoutez, si c'est pas la semaine de la Gay Pride qu'on a le droit de la faire, celle-là, mince, hein, ça va! Bon, et l'Euro 2020 est donc lancé et la France a bon espoir, je crois. M'en parlez pas, mais je sors à peine de Roland-Garros qu'on enchaîne sur l'Euro. C'est donc la 573e heure que mon mari est dans le canapé. Il a des escarres. Si quelqu'un veut venir le remorquer, n'hésitez pas. Et puis enfin, pour terminer, mercredi, la France fera face au Portugal. Oui, c'est vrai. Après, moi, je trouve que cette année, l'Euro, il a moins de panache, forcément. Mais c'est vrai que, bon, la compète entre les pays d'Europe, ça va, ça fait 2 ans qu'on se la fait tous les jours. Hein. Hey, ils ont eu 2000 cas alors qu'on en a eu 1200. Et en plus, on a beaucoup plus de respirateurs que les Italiens. On est les champions. On est les champions. Non, du coup, forcément, on est un petit peu. On l'a fait. On l'a trop fait la compète. Eh bien, on suivra en tout cas ces matchs sportifs, n'est-ce pas, Christophe? Vous êtes à fond sur ces dossiers. Oh, bien sûr. Moi, je ne le suis pas du tout. Donc, on compte sur vous. Complémentaires. Oui, mais comme d'habitude, on ferait semblant, Milana. Merci beaucoup, Judith Mergui. On vous retrouve demain matin en direct en studio. Eh oui, avec grand plaisir. Et quel bonheur d'être entrée. Et tout de suite, le rappel des titres avec.